La nuit, il vous illumine. Un éclair de guenille. Tous les mercredis, 22h-23h sur VL. Les amis, on va appeler Miss France. Miss France, Maëva Cook, pour nous parler de l'affaire Miss Univers. On va l'appeler, on lance le standard. Attention, réécoutez. On l'appelle. Ça connecte, ça connecte. Moi, et normalement, bluffé, nous avons Maëva Cook au téléphone. Salut Maëva. Salut. Oh là 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 là. Bonjour. Salut. Tout fonctionne. Notre Miss France. Ça va, tout le monde est chaud ce soir. Ah bah oui. Notre Miss France 2018. Es-tu en forme tout d'abord? Ah bah oui, je suis en forme. Tout va super bien. On s'était vu cet été dans Fort Boyard. C'est ça, on a raflé une super mise, on a fait le plus beau score de la saison. Mais c'est vrai, on a fait plus de 22 000 euros de gains au moins. C'est ça. Et ouais, la meilleure audience. On a été une équipe au top. C'est ça. Mais Maëva, on t'appelle pas non pas pour parler de Fort Boyard, qui était une super aventure, mais de ton aventure de Miss France, mais surtout de Miss Univers. Alors on l'apprend dans la presse que la Miss France, celle qui nous représente aujourd'hui dans le pays, ne pourra pas faire Miss Univers. Quelle est la vraie raison? Parce qu'il y a eu pas mal d'articles qui sont sortis. C'est quoi la vraie raison, Maëva? Alors, la vraie raison, c'est surtout que je pars à Miss Monde plutôt que d'entendre avant tout « je ne fais pas Miss Univers ». C'est surtout qu'en fait, j'ai choisi moi personnellement. Ce n'est pas l'organisation qui a fait le choix à ma place parce que j'ai entendu ça aussi dans certaines émissions. Moi, l'organisation m'a demandé déjà en début d'année quel concours je préférais faire, parce qu'on a le choix entre Miss Univers ou Miss Monde, et je sais que parfois les gens ne font pas trop la différence. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer la différence entre Miss Monde et Miss Univers? Parce que pour le public, c'est un petit peu la même chose, non? Alors, on va dire que c'est un peu la même chose, parce qu'en soi, c'est un titre international. Après, ces deux concours-là, il n'y en a plus. C'est vraiment les deux derniers. C'est juste que Miss Univers, c'est une organisation qui est américaine. Et quand on voit l'élection à la télé, on voit très bien que c'est vraiment un show à l'américaine. Et par contre, Miss Monde, c'est beaucoup plus européen. Et en fait, les deux n'attendent pas la même chose des Miss qu'ils ont envie d'élire. Miss Univers est vraiment basée sur le physique des filles. Ils veulent avoir une fille qui est physiquement au top, voire parfaite. D'ailleurs, la chirurgie esthétique est autorisée dans Miss Univers, je crois. Oui, c'est vrai. Bien sûr, mais elle est aussi autorisée à Miss Monde parce que c'est le pays qui choisit d'autoriser ou non la chirurgie. Donc nous bien sûr, c'est interdit pour les Françaises. Mais donc à Miss Monde aussi, je vais retrouver des filles qui auront eu recours à la chirurgie, mais beaucoup moins. Parce qu'en fait, Miss Monde est beaucoup plus basée sur le projet caritatif de la Miss, sur les valeurs de la Miss, et du coup, ils sont moins attachés au physique de la fille, moins qu'à Miss Univers. Léopold. D'ailleurs, il n'y a pas de défilé de maillot de bain en maillot de bain dans Miss Monde. Sérieux? Exactement, vous êtes bien renseigné, il n'y a pas du tout de défilé en maillot de bain. Par contre, vous êtes plus de 120 candidates à défiler. Voilà, c'est ça, on est beaucoup, 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 donc ça ne va pas être facile de pouvoir bien se classer et même de pouvoir aller jusqu'à cette couronne. En tout cas, voilà, moi je vais tout faire pour. Et puis j'espère que les Français me soutiendront. Bah on espère aussi. Alors la décision vient, on a bien compris, non pas du comité, mais de toi qui a sélectionné ce concours plus que l'autre. Voilà, exactement. Mon profil correspond mieux à Miss, peut-être qu'à Miss Univers. Et puis aussi, j'ai entendu dire que voilà, on avait fait ce choix par dépit parce que l'élection de Miss France était le 15 décembre et Miss Univers le 16. Ah, c'est vrai, ça. Mais voilà, non, cette histoire de date ne rentre pas du tout en compte puisque si j'avais voulu faire Miss Univers, j'aurais fait Miss Univers, j'aurais fait un aller-retour pour venir rendre mon titre, comme Chloé Mortaux l'a fait son année. Mais donc voilà, il n'y a vraiment aucune de toutes ces choses qui sont rentrées en compte dans mon choix. C'est personnel et puis voilà, c'est depuis le début de l'année que j'avais décidé de faire Miss Monde. Tiffany, il y a une question pour toi. Oui, je crois que c'est Miss Corse hein, qui va te remplacer à Miss Univers, c'est bien ça? Voilà, c'est ça. Du coup, en fait, ma première dauphine allait faire celui que moi, je ne choisissais pas. Et par conséquent, c'est elle qui représentera la France à Miss Univers. D'accord. Tu peux rappeler son nom, du coup, comme est-ce ça que, c'est Est-ce bien, que tu peux rappeler son Instagram Eva Cola. Aussi Eva Cola.
Andreas, pardon. Moi, je voulais l'Instagram de Miss Corse, mais c'est bon, je crois que je l'ai. En tout cas, on a aussi l'Instagram de Maëva. Léopold. Moi, j'ai une vraie question. Maëva, est-ce que vous serez la seule Miss à représenter la France? Je pose la question pour ceux qui ne le savent pas, parce que dans Miss Monde, on peut avoir, enfin, l'organisation propose plusieurs licences. C'est-à-dire qu'un propre pays, un même pays peut acheter plusieurs licences. On peut par exemple avoir Miss France, mais aussi Miss Guadeloupe et Miss Guyane qui participent à la même élection. Est-ce que ça sera le cas avec vous? Oui, ça sera le cas mon année, effectivement. Il y a Miss Guadeloupe de l'année d'Alicia Elias, qui sera candidate aussi à l'élection de Miss Monde. Donc non, je ne serai pas la seule française. Donc il y aura plusieurs représentantes de la France à Miss Monde. Voilà, c'est ça. Mais c'est intéressant, une seule Miss France. C'est intéressant. Et d'ailleurs, je rebondis là-dessus parce que Miss Monde est souvent accusée, du coup, par Ricochet, de se faire un peu d'argent sur ses fameuses licences. Parce qu'en proposant plusieurs licences, on doit payer plus parce qu'on doit acheter ses licences. Vous, c'est pas un argument aussi que vous avez pris en compte? Alors non, du tout. Non. Surtout que moi, je suis pas concernée par les licences, puisque ça, c'est l'organisation qui gère. Donc ouais, moi je pour dire, je sais même pas en fait le tarif des licences de Miss Monde ou de Miss Univers. Après, je sais qu'une licence est plus chère qu'une autre, je ne dirai pas laquelle mais voilà, sinon j'en sais pas plus. Très très bien. Écoute, Maëva, merci de nous avoir écoutés. Il reste trois mois pour ton sacre de Miss France. Ça s'est passé tellement rapidement, hein, j'ai l'impression. C'est ça. Malheureusement, c'est passé trop vite. Je suis déjà un peu mélancolique à l'idée de me dire que voilà, j'ai déjà terminé pratiquement mon année de Miss France. Parce que même s'il me reste 3 mois, c'est 2 mois en France et 1 mois en Chine. Donc, un mois en Chine pour accompagner les nouvelles prétendantes, c'est ça? Voilà, on est 1 mois en préparation en Chine, à Sanya exactement, pour la préparation de Miss Monde. Et d'ailleurs, je vais mettre sur mes réseaux dans peu de temps, mais j'aurai besoin du soutien de tous les Français, tous les fans de Miss. Bien sûr, on sera derrière toi. Parce qu'en fait, on va pouvoir télécharger une application sur son téléphone et les gens vont pouvoir voter pour moi via cette application. Donc je mettrai la démarche à suivre dans peu de temps sur mes réseaux. Mais voilà, je fais déjà un petit appel, comme ça si tous les Français peuvent déjà se connecter, suivre, voter pour moi, bah, on pourra peut-être tous ensemble décrocher cette belle couronne bleue de Miss Monde. Très très bien, merci beaucoup, merci Maëva Cook, Miss France, merci de nous avoir merci à vous. Accordé quelques minutes. On te souhaite bonne chance pour ces 3 derniers mois et on va continuer à te suivre sur Miss Monde. À Paris, Lyon, Marseille, Lille, Bordeaux et partout dans le monde. Écoute VL sur vl-media.fr et sur ton app.